J'espère que vous allez bien. On est samedi. On est avec la perdrix qui est toujours en pige parce que. On va s'habiller? Non. Voilà. Elle veut pas. On va quand même y aller. Petit programme du week-end. Et ben, festoiement de l'anniversaire à la perdrix. En famille. Donc aujourd'hui, demain. Il faut que je prépare un petit peu, mais enfin pas grand chose parce qu'on fait en petit comité à chaque fois. Et voilà, aujourd'hui vous aurez cette vidéo. Ah, le boubou, où il est le boubou? On a perdu le boubou. Où il est? Là, il est là. Tiens. Aujourd'hui. Qui est où, maman? Ah, Kiki, ah oui! Hier, j'ai été chez Noce, je lui ai trouvé un Kiki à 11 euros. Il est toujours Kiki. J'étais persuadée qu'elle aimerait pas, mais moi j'aime bien, donc j'en ai pris un. Et en fait, elle aime bien. Il fait dodo le Kiki? Il est toujours Kiki. Tu mets Kiki au dodo? Mais c'était Pégase. Donc, je vous disais, à l'heure où vous aurez cette vidéo, on est mercredi. Vous savez que les vlogs du week-end, je vous les mets toujours le lundi, mais exceptionnellement, je vous l'aurais pas mis lundi parce que lundi, à l'occasion du Black Friday sur Timou, ils m'ont demandé de publier la collaboration avec eux le 20. Donc le 20, c'était lundi. Donc du coup, bah, ça, j'ai juste inversé mes deux vidéos. Voilà, sinon, au restant du week-end, bah, tranquille, mis à part l'anniversaire. Et puis, Kiki est bordée dans les gigoteuses. Hein. Tu montes, Kiki? On voit rien avec ton cucu, biche. Oh, Kiki, il fait dodo! Kiki, il fait dodo, Kiki! Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, là, il est 17h10. Ma soeur est partie. Et je voulais vous montrer la petite coiffeuse en bois qu'elle a eu pour son anniversaire, ma perdrix. Bon, j'ai dû pousser les murs, comme à chaque fois. Je vais vous montrer la petite coiffeuse en bois, elle est trop... Elle avait déjà, je les ai retrouvés, des petits accessoires comme ça que j'avais eu chez Action en bois. Il y avait le sèche-cheveux, le parfum. Et il y avait un miroir, un pot, il devait y avoir un vernis, puis une petite palette. Et tout le restant, en fait, c'était avec la coiffeuse. Donc, à la petite coiffeuse en bois, avec les petits accessoires, il y a des rouges à lèvres, des vernis, le tiroir en bois, et voilà. Et ce qui est cool, c'est que le jour où elle aura du vrai maquillage en quelques années, eh ben, elle pourra le mettre ici et dedans, à la place du make-up en bois. Et ça me fait penser, vous voyez, mon Kiki de chez Noce. Et ça me fait penser, chez Action, donc elle a la cuisine en bois, que j'ai vu sur Amazon l'année dernière. Et chez Action, je lui achète de temps en temps les petits accessoires en bois. Donc là, on a le grille-pain toaster, voilà. Et j'avais acheté la machine à café, à thé, je ne sais pas ce que vous voulez. Donc voilà, des jouets en bois de qualité. Hey, on va changer la couche d'abord. On va manger le boubou. Et après, c'est ta fête aujourd'hui encore. Hein. Oh là là, c'est ta fête aujourd'hui. Tu viens? Viens. Allez, viens. C'est ta fête aujourd'hui? Tu vois papy, mamie? Dimanche. 9h du matin, la perdrix a pris son bain, elle est préparée. Regardez-moi cette petite beauté avec sa robe avec un chat que j'avais acheté exprès. J'ai fait un petit effort sur la coiffure, s'il vous plaît. J'ai mis les pinces en lapin. Voilà, j'ai fait une petite tresse. Tu es contente aujourd'hui, c'est ta fête? C'est ta fête aujourd'hui, ma bichette? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Dimanche, fin de matinée, je suis en train de donner à manger à la perdrix. Et je vous ai pas beaucoup pris hier parce que hier j'ai une de mes soeurs qui est venue pour l'anniversaire de la perdrix avec son mari et puis et le cousin de la perdrix. Donc forcément je vous ai pas pris. Aujourd'hui, faut que je me refasse mes deux petites crottes là. Aujourd'hui, cet après-midi, on a les papy mamie, ça va être la fiesta boum boum à ma belle.
Et donc du coup, je vais vous filmer ça en voix off avec un fond musical, les préparatifs, parce qu'on va les faire pendant qu'elle va être à la sieste. Donc nous, on va manger, puis on va préparer. Je vais vous montrer un petit peu la décoration. On fait une petite déco sur le thème des chats, parce que madame adore les chats. Et je lui ai mis aujourd'hui une robe avec un chat que j'avais gardé spécialement pour l'anniversaire avec les papis et mamie. Si je lui avais mise hier, si elle aurait été tachée, voilà. Donc là, elle est en train de se manger son petit plat. Je lui ai fait des petits palets de poisson ail et fines herbes avec des petites... je sais jamais comment ça s'appelle, des pommes... Non, c'est pas chaud, pommes dauphines ou pommes duchesses. Non, c'est des pommes dauphines. Donc, tiens ma bichette. Donc voilà, là elle est en train de manger tranquillement. Elle vient de me la recracher sur sa tablette, j'en déduis qu'elle en voulait pas. Tiens, du poisson alors, du poisson. Et donc, voilà, on va tout préparer tout à l'heure tranquillement. On a acheté un nude cake sur votregâteau.fr. Je vais vous le montrer, un nude cake au chocolat. Et de mémoire, il est à la cerise aussi dedans. Et puis pour la boisson, bah, il nous reste encore des bouteilles de crémant rosé du baptême. Il nous en reste plein. À l'époque, pour le mariage, c'était pareil. On avait acheté trois fois trop d'alcool et il nous en restait plein. Et comme à chaque fois, on fait les célébrations en été, et ben, en pleine chaleur, ben, les gens, en général, ne boivent pas beaucoup d'alcool et du coup, il nous en reste toujours. Donc, voilà. C'est marqué le baptême de la perdrix dessus, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous laisser. Je vous retrouve tout à l'heure pour les préparatifs.